Bonjour tout le monde, bonjour les personnes qui viennent de se brancher. Donc, mon nom est Maryse Delisle, on est le 18 mai 2023 pour le dernier après-cours de l'année scolaire 22-23, après-cours sur l'ARAC FMS, la reconnaissance des acquis et des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé. Donc, comme à l'habitude, j'ai fait un petit ordre du jour qu'on retrouve sur le site. Donc, mot de bienvenue, c'est fait. Il y avait deux personnes qui m'ont envoyé des petits témoignages d'histoire liés au parcours des personnes candidates, puis aussi d'autres personnes qui ont fait de l'ARAC FMS pourront aussi m'en envoyer, même si vous êtes en différé. Là, on l'a mis, hein, Richard, dans la bibliothèque des après-cours, on l'avait mis, hein, le document, le gabarit pour... Oui, oui. Ça, hein? Bon, parfait. Donc, les gens en différé aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des belles histoires à KFMS de témoignages, ben à ce moment-là, là, vous les envoyez puis on va partager ça. Donc, on va faire le tour de tout le monde. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça fonctionne? Puis après, on va réfléchir ensemble pour le service des après-cours l'année prochaine, là. Mettre ça selon vos besoins. Puis à la fin, là, ceux qui ne les connaissent pas, je présente toujours les ressources au niveau de l'ARAC FMS. Donc, j'ai eu trois témoignages que je souhaitais vous partager de parcours de personnes candidates. Donc, des fois, on avait dit des noms fictifs parce que le but, ce n'est pas là, de savoir exactement c'est qui ou c'est où, là, mais c'est plus l'histoire inspirante. Donc, la personne non fictive, Isabelle, 46 ans, elle est caissière dans une quincaillerie. Donc, ça fait 6 ans qu'elle exerce ce métier-là. Donc, son parcours scolaire, donc à sa première année de vie, c'était une Allemande qui a été adoptée par des Québécois. Donc, elle a fait toutes ses études au Québec et elle est retournée vivre en Allemagne où elle a fondé sa famille. Et il y a 6 ans, elle est revenue vivre au Québec avec sa famille dans un petit village là, au centre du Québec. Puis c'est là qu'elle a commencé à travailler comme caissière dans une quincaillerie du coin. Puis, elle a gagné rapidement des responsabilités. Donc, elle était très compétente, apparemment. Donc, deuxième question pour cette personne-là, Isabelle. Quelles étaient les retombées pour elle, personnellement, là, les retombées de la reconnaissance? Donc, on écrit ici, l'ARAC a été pour elle une preuve de reconnaissance de toutes ses compétences. Elle le voit comme une preuve de confiance de la part de son employeur. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Des fois, oui, c'est une reconnaissance du ministère d'éducation, mais du fait que c'est en collaboration avec l'employeur, bien, ça peut être un bel effet aussi de confiance de l'employeur. Je trouvais que ça faisait partie d'un avantage, on pourrait dire. Quelles ont été les retombées de la reconnaissance sur l'employeur? On se rappelle la RAC FMS, c'est un partenariat qu'on fait avec l'employeur. Donc, il faut qu'il y ait un gagnant-gagnant individu-employeur. Donc, l'employeur a senti l'intégrité de son employé à profiter de ce diplôme pour la titrer chef caissière plus. Donc, ça a été une belle reconnaissance. Puis j'avais mis, bon, est-ce qu'il y a d'autres informations pertinentes à ajouter dans mon petit questionnaire? Donc, c'est un autre centre de service qui faisait affaire avec un regroupement de quincailleries qui chevauchait des deux CS qui a référé cette personne-là pour la RAC. Comme quoi, on est toujours gagnant de faire connaître nos mandats au-delà des frontières. Et qu'en effet, c'est vraiment, tu sais, que les gens autour de vous sachent qu'est-ce que vous faites, parce que des fois, oui, il peut y avoir du référencement. Je trouvais que c'était vraiment pertinent d'avoir été ajouté ça. Deuxième témoignage, donc Louise, non fictif, 58 ans. Elle, les métiers reconnus, ça a été manutentionnaire et préparatrice de commandes. Elle travaille dans une pharmacie depuis 15 ans. Donc, premièrement, hein, on aime ça connaître le parcours scolaire. J'avais envie de le mettre dans le petit gabarit de témoignage. Pour voir toutes les possibilités de personnes, hein, de clientèle qui peuvent bénéficier de la reconnaissance acquise, parce que souvent, c'est une question que les gens posent.
Donc, Louise a eu des difficultés d'apprentissage là, qui ont teinté son parcours scolaire. Elle a abandonné l'école à 16 ans, puis elle combine des petits emplois jusqu'à son passage dans une entreprise d'insertion. Cette dernière, voyant les compétences en organisation de Louise, la réfère à une pharmacie et elle s'installera pour le reste de sa vie. Donc, quand on dit, ça fait 15 ans qu'elle travaille dans cette pharmacie-là. Fait que ses débuts, ça a été difficile, mais ça fait 15 ans qu'elle travaille dans un endroit où elle semble être appréciée. Quelles ont été les retombées de la reconnaissance sur la personne? Donc, on dit ici, c'était une fierté inouïe. Vous savez, là, vous êtes où les employeurs disent, qu'est-ce que ça va me donner de faire ça? Mais la fierté de vos travailleurs, la fierté de votre personnel, c'est vraiment un élément marquant qu'on voit, là, je pense, dans chacune des personnes qui font cette démarche-là. Donc, lors d'une petite fête organisée par l'employeur pour féliciter les employés en fait la RAC, elle fait un témoignage touchant expliquant comment elle est reconnaissante que cette entreprise lui a laissé sa chance. Hein. Vous savez, la loyauté envers son employeur, ben, on le voit là, dans cette activité-là. Elle voit son diplôme comme l'aboutissement de plusieurs années d'expérience. Et elle dit, je me sens comme si j'avais fait de l'université. Ça, je trouve ça assez beau, à quel point le sentiment de fierté, tu sais, par rapport à, hein, bon, c'est quoi, qu'est-ce qui est donné, c'est quoi la valeur, mais le ressenti à travers ça, ben mon Dieu, que je veux dire, ça cogne fort si elle dit, pour moi, c'est aussi important que si j'avais fait de l'université. Puis c'est drôle parce que dernièrement, on a fait aussi des vidéos témoignages de diplômés par la RAC en formation professionnelle, puis la personne disait ça, elle disait la même chose par rapport au niveau de fierté ressentie d'avoir réussi la démarche puis d'avoir obtenu un diplôme ou une qualification. Ici, quelles ont été les retombées de la reconnaissance sur l'employeur? Alors, l'employeur se sent choyé de pouvoir offrir ce diplôme à un employé aussi exemplaire, il en est très fier. Donc, c'est sûr que si l'employeur, bien, eux autres, ils veulent garder leur personnel, donc c'est une belle activité, justement, là, on le dit, hein, de reconnaissance. Autre information à ajouter, encore à ce jour, cette pharmacie RAC, comme ils disent le mot, là. Donc, ils vont faire reconnaître par la reconnaissance acquise fréquemment des employés. L'entreprise a été élue employeur de choix par la Chambre de commerce de la région. C'est en voyant cette reconnaissance, c'est la conseillère RAC FMS qui écrit ça, que j'ai approché l'employeur qui a tout de suite embarqué dans la RAC. Fait qu'elle, elle avait vu, là, c'est qui avait gagné des prix dans ces régions comme employeur de choix, puis elle les a contactés pour dire, si vous êtes un employeur de choix, vous allez embarquer dans ce projet-là. Et troisième témoignage, donc ça, c'est une autre conseillère qui m'avait envoyé ce témoignage-là. Donc, Bianca Tremblay, elle est trieuse étiqueteuse pour une friperie qui s'appelle la Maison de quartier. Elle a 5 ans d'expérience dans le métier. Donc, son parcours scolaire, elle a un secondaire 2 et a eu de grandes difficultés d'apprentissage. Donc, les retombées, une grande fierté, de la valorisation et énormément de reconnaissance. Mais vous savez, la fierté, là, ça revient dans les retombées pour l'individu. La fierté, c'est la chose, là, je pense, c'est le mot-clé qui revient à chaque fois. Puis je pense que ça vaut la peine de l'utiliser dans notre vocabulaire quand on parle des retombées, des avantages, pourquoi on le ferait autant aux individus qu'à l'employeur. Vous ne croirez pas à ça, la fierté que les gens ressentent. Quelles ont été les retombées de la reconnaissance pour l'employeur? Alors, un employeur heureux, c'est un employé loyal. C'est ça que l'employeur a mentionné. Puis, il y avait vraiment, la personne avait vraiment donné un témoignage. Donc, la personne a dit récemment, j'ai pu obtenir une reconnaissance de mes acquis dans mon milieu de travail, ce qui m'a donné droit à une attestation de formation dans un métier semi-spécialisé. J'étais vraiment surprise car je ne savais pas que cela pouvait se faire. Je l'ai reçu dernièrement et je l'ai trouvé vraiment beau, mon premier diplôme. On sait que nous, c'est un certificat qui est mis par le ministère de l'Éducation. C'est pas grave si les gens pensent que c'est une attestation ou que c'est un diplôme. Je pense que l'important, c'est le sentiment de reconnaissance puis d'officialiser les compétences de la personne. C'est ça qu'ils doivent retenir, même si des fois, il y a des petites nuances par rapport à la réalité là, du nom réel, la qualification est obtenue.
J'étais tellement heureuse et fière que je l'ai fait plastifier. Je suis très reconnaissante envers l'équipe de la CFJA de la Jonquière qui m'a offert cette chance et maintenant je suis à la recherche d'un beau cadre afin de l'accrocher dans mon appartement. Tu sais à quel point cette personne-là, puis on le voit là au début, secondaire 2, grande difficulté d'apprentissage, puis elle a vu le mettre hein, dans son appartement comme une preuve de sa compétence. Enfin, tu sais, quand on dit que ça va être une première qualification pour des personnes, bien, c'est le cas cette fois-ci. Est-ce qu'il y en a qui auraient juste verbalement des témoignages comme ça que vous auriez à partager? Puis vous pourrez par la suite, hein, je le dis, là, j'aimerais vraiment qu'on se fasse une banque. Là, à chaque fois que vous en faites, vous avez des belles histoires, que vous le remplissez le petit gabarit de témoignages parce qu'il y a des belles histoires, mais aussi ça illustre différents parcours possibles des personnes. Puis je pense que ça va aussi nous amener, ben c'est ça, là, des choses à dire, des exemples à donner aux employeurs quand on débute nos démarches de recrutement, je pense, de milieu de reconnaissance. Donc, ben, on va y aller là, pour la petite partie questions-échanges pour dire où est-ce que chacun vous en êtes rendu. Puis ça se peut que vous en êtes rendu, vous êtes encore à l'organisation du service, mais c'est important de le dire aussi parce que des fois, les gens qui arrivent aux après-cours, des fois, des gens qui en font plein, des raids de FMS, puis ils disent, mais non, là, c'est des fois la première année, il y a beaucoup de travail administratif ou d'organisation à faire. Des fois, évidemment, la plupart d'entre vous avez plusieurs chapeaux. La RAC FMS en est un parmi tant d'autres. Donc, c'est le fun de vous présenter, vous êtes pour quel organisme scolaire, puis où est-ce que vous en êtes dans le développement ou la mise en œuvre du service de reconnaissance acquis pour les métiers semi-spécialisés. Je vais laisser voir qui aimerait parler en premier, sinon ben, je ferai des petites... demanderai aux personnes. Tout le monde pense dans l'après-midi. Là, tout le monde pense. Moi, je peux commencer. Oui. Parce que là, moi, je me sens vraiment débutant. Puis c'est une première aussi. Là, en fait, pour faire une histoire courte, on avait déjà commencé avant la pandémie. On a mis ça sur la glace, puis on a repris. Puis par un curieux hasard, mais tu sais, le hasard, bref, parcours formation. Mais moi, je suis de Saint-Hyacinthe, Acton Bay. Là. Puis parcours formation qui font déjà de la RAC, mais DEP. Mais ils voulaient développer le côté aussi à Acton Vale, parce que c'est Mascoutin et Acton. Là. Ben, j'ai dit oui, pas de problème. Puis ça a tombé aussi dans le qu'on s'est comme joints ensemble pour au niveau de la RAC. Là. Puis là, moi, j'ai approché mon premier milieu, puis il est ouvert. Mais là, je ne connais rien. Je suis vraiment débutant, beginner. Là, j'ai plein de questions au niveau du matériel, au niveau de. Est-ce qu'il y a des guides, des grilles d'évaluation? On trouve ça où? En fait, j'ai approché le Centre d'action bénévole qui, avec qui, moi, je suis sur l'étape de concertation, puis on avait pensé à eux, puis eux autres, ils ont 21 services là, dans leur centre. Là. Autant de la friperie, de la cuisine, de la popote roulante, du transport, des cliniques d'impôts, du tri. En tout cas, ils ont plein de services. Là. Puis je suis allé présenter ça aux deux directrices que je connaissais un peu par la bande, justement, avec l'étape de concertation. Là. Puis, tu sais, je suis allé avec mes propres connaissances, les dépliants qu'on avait, puis eux autres, ils disaient oui, ils commençaient déjà à penser à des gens, puis on aurait telle dame à la friperie, puis telle autre personne qui fait aussi la préparation alimentaire. Puis ils commençaient même à parler à d'autres organismes. Ah oui, l'autre organisme aussi, ça pourrait faire, puis j'ai amené des exemples. Là. Fait que bref, il y a une belle ouverture là, du Centre d'action bénévole à Acton Vale là, pour ça. Puis, tu sais, j'écoute les témoignages, puis... sans même eux l'avoir vécu, ils nommaient déjà de fidéliser leur clientèle, ce serait une belle reconnaissance, ça serait un plus pour notre centre si on pourrait qualifier ou certifier nos employés. Puis déjà là, ils voyaient, sans même leur avoir dit c'est quoi l'avantage pour vous, ils l'avaient comme déjà déduit là, par mes explications, puis en expliquant c'était quoi là, la RAC là. Fait que ça, il y a une belle ouverture, mais là, après ça, là, c'est le comment, là oui. Vraiment beginner. Là, ben, c'est celle qui fait du côté des DEP, celle qui m'a pissé un peu, mais eux autres, ils ont comme pas d'outils, ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de guide du côté FMS. Fait que là, même je leur ai appris des choses aussi de leur côté, mais là, eux autres ici, ben là, on ne sait pas trop non plus de notre bord. Fait que là, je suis rendu là.
Bien, bienvenue, Eric, à l'ARAC FMS. Hein. On a tout commencé avec un premier projet, celles qui en ont fait, puis je pense que tout le monde a la même empathie. Ah, mon Dieu, c'est sûr qu'on commence. À la fin, je vais présenter où sont les choses, où sont les outils. Puis vous savez, oui, j'anime les après-cours à chaque mois, mais je suis aussi disponible pour des rencontres individuelles. Donc, des fois, quand on commence comme ça, dire, je ne sais pas par où commencer, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. À ce moment-là, oui, il y a les sites Internet, c'est très complet, mais je suis aussi disponible pour qu'on réfléchisse ensemble là, à comment vous allez. Surtout le premier projet, un coup qu'on a fait un tour de roue, on a fait un projet, après, si on le refait, mais la première fois, il y a des défis. Fait qu'à la fin, je vais montrer tous les outils. Eric, où est l'instrumentation, comment ça fonctionne. Donc, restez avec nous. Mais c'est génial. C'est certain que l'ARAC FMS, la clientèle qu'on vise, c'est des gens en emploi. Oui, mais eux autres, ils Oui, engagent des gens, là, ils c'est paient des gens. ça. Oui, ils ont des équipes de bénévoles, mais Ouais. il y a aussi puis des fois, ils font le bon, un bénévole devient employé, Oui, et c'est c'est ça, là. ça. Ouais. Fait que ça sera là, juste, je vous dis ça, puis pour les autres, de dire, il faut bien cibler la clientèle, parce que c'est quand même un programme d'études d'intégration socio-professionnelle. Fait que là, des fois, quand on est bénévole, tu sais, ma mère, elle a fait la popote roulante, tu sais, c'est pas le même impact que quand tu es travailleur salarié, que tu as une prestation de travail nécessairement à donner. Fait que c'est juste le mentionner. Des fois, il y a des places, s'il y a des bénévoles, puis il y a des. Mais c'est sûr, dans nos critères, l'ARAC, c'est quelqu'un qui a réussi son intégration socio-professionnelle, puis c'est une personne généralement salariée. Il pourrait Mais se il y le a des gens que permettre. ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent au centre d'action bénévole. Voilà. Oui. Tout à fait. Puis Richard vient de partager là, dans le clavardage. Là, j'ai un petit. On peut prendre rendez-vous avec moi directement dans mon c'est une petite Dans application, l'agenda. là, dans mon calendrier. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui a une question. Là, ça l'a apparu vite. Oui, Oui, c'est moi. allez-y. C'est Stéphanie Allô? Martin. Oui. Allô? Dans le fond, ça me fait penser, ceux qui sont sur des programmes PASS depuis plusieurs années, C'est quoi, veux-tu? PASS Action, ils sont en emploi, mais c'est sur des programmes subventionnés de Service Québec. Est-ce que c'est quand même des candidats? Bien, c'est à vous de poser un jugement puis de distinguer la clientèle qui bénéficierait de la formation initiale pour un métier semi-spécialisé par rapport à un processus de RAC. Mettons, je vais aller prendre le guide administratif. Je vais partager mon écran déjà là. Vous allez pouvoir voir là, où est-ce que je vais. Donc, si je vais là, sur Internet, donc sur la page d'accompagnement intégration socio-professionnelle, quand on clique sur RAC FMS, ici, on a le guide administratif. Je vais tout le remontrer tranquillement là, à la fin là, pour ceux qui veulent vraiment avoir les détails. Puis, fait que ça, c'est le guide administratif. Puis, on vient donner des précisions. Puis, au niveau de la clientèle visée, on en a mis des précisions. Quand est-ce que c'est de la formation initiale? Puis, quand est-ce que c'est de la RAC? Fait qu'à ce moment-là, Stéphanie, je t'invite vraiment à réfléchir à la clientèle que tu vises. Bon, est-ce que c'est des gens, parce que là, j'ai mis formation initiale, là, qu'on les inscrit, siglés dans le parcours de formation initiale, ou est-ce que c'est vraiment le parcours de RAC? Okay. Donc, la formation initiale, on dit. Adultes sans expérience dans le métier, évidemment, quand ils viennent de rentrer dans l'entreprise, on ne fait pas de RAC. Bon, des gens qui sont sans emploi, qui viennent cogner au centre, bien là, ce n'est pas ton cas, mais est-ce qu'ils sont en emploi? Est-ce que ils sont salariés? Bon, c'est une question aussi. Adultes ayant amorcé un processus de formation pour son poste de travail. Donc, ceux qui viennent juste de commencer, ils viennent juste de commencer, bien, je pense qu'on pourrait peut-être faire de la RAC plus tard, là, mais pas à ce moment-là. Adultes exécutant seulement une fraction des tâches du métier, bien là, c'est sûr qu'on n'est pas en RAC. Adultes présentant un manque d'autonomie, parce que là, c'est là que tu nommes, c'est des personnes qui ont des financements pour supporter l'employeur, pour les embaucher, parce qu'ils ont besoin de plus d'amour. Fait que là, c'est là, moi, que je me dis, bien, c'est quoi la situation Ouais, je problématique que la comprends. personne vit? Y a-t-il un manque d'autonomie?
Bon, est-ce qu'il est en période de probation? Est-ce que c'est un adulte qui a la difficulté à se maintenir en emploi? À ce moment-là, peut-être qu'elle a besoin vraiment de l'accompagnement accru de la formation initiale. Qu'est-ce qu'on vise en REC? Adulte capable d'exercer ses fonctions de travail de manière autonome. Adulte exécutant la majorité des tâches du métier, parce que ça se peut qu'il ne fasse pas toutes, mais quand vous allez faire l'entrevue de validation, vous allez dire, bien, telle tâche, il faut qu'il l'apprenne, puis rendu à l'évaluation, il va être capable de le faire. Ça fait que c'est pas un problème. Il faut vraiment avoir une réflexion. Ces programmes d'intégration socio-professionnelle, on veut faire la reconnaissance de qui, comme dans les exemples que j'ai les témoignages exemples, c'est que les gens, ils ont appris comme ça, ils font, mais c'est des bons employés réguliers. Là, quand on arrive dans des situations, peut-être que dans cette entreprise-là, peut-être certaines personnes, ça va super bien. Justement, il y avait besoin peut-être de plus d'aide, de plus de temps, puis il y a eu des intervenants qui les ont aidés à régler des problématiques puis sont devenus autonomes. Ma question, c'est est-ce que ces gens-là continuent de travailler pour ces employeurs-là ou c'est une place qu'ils font 3 mois puis après, c'est fini? C'est là aussi ma question. Oui, c'est sûr. Il y en a qui sont sur des passes pendant un bon bout de temps, mais c'est vrai que la notion d'autonomie n'est peut-être pas acquise totalement s'ils sont encore sur ces programmes-là. Fait que ça répond quand même à ma question. Merci. Oui, puis des fois, ces programmes-là ou ces entreprises d'insertion-là, mais des fois, c'est le personnel même de l'entreprise d'insertion qu'on peut reconnaître, tu sais, parce qu'eux autres ici, c'est les formateurs, mais eux autres, ils n'ont pas de diplôme non plus. Fait qu'il faut réfléchir, c'est quand le bon moment, puis c'est quand de plutôt donner l'accompagnement de qualité que vous donnez dans la formation initiale, ou est-ce que vous allez aussi avoir le volet de, c'est quoi, tu sais, lister les défis personnels, travailler dessus pendant le processus, la RAC, c'est plus tout va bien, tu as une job, ta probation est faite, ton employeur t'aime, tu as une job, t'aimes ça. Mais c'est ça qu'on veut reconnaître. Ça peut être différent d'autres parcours où est-ce qu'on est encore sur le bicycle avec les petits trous, là. Tu sais, quand on apprend à faire du vélo, là, qu'on a des petits trous, là. C'est encore les petits trous. Ça, on veut le vélo. Ouais, ouais. Le vélo avec les grandes roues, c'est plus cette clientèle-là qu'on vise. En faites-vous un petit peu chez vous, Stéphanie Martin, des projets? Aimerais-tu nous en parler? Oui, je peux vous en parler. D'ailleurs, on a eu une rencontre hier cet après-midi. Nous, on a un comité RAC FMS chez nous. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne là-dedans que c'est sa tâche à temps plein. Par contre, on se met tous à la tâche. Fait qu'on l'a. Hier, on a statué que toutes les trois... on devrait être en mesure de faire de A à Z de la démarche parce que moi, je suis responsable de la mission. Fait que c'est sûr, si je commence une démarche en juin puis que l'employeur me rappelle juste en août, bien moi, en août, je suis zéro disponible jusqu'en octobre. Là. C'est sûr que mon agenda il est plein. Donc, ça va être une de mes collègues qui va être en mesure de reprendre mon dossier puis de continuer. Fait qu'on veut être vraiment capable de faire toutes les démarches de A à Z de les trois. On s'alimente, on a un tableau où est-ce qu'on dit quelle démarche on a faite, c'est quoi les retombées. Si on a des nouveaux qui nous pop, ben on les met là aussi. On met notre nom, où est-ce que qui a fait la première démarche. Après ça, dans notre comité, on a aussi une personne qui s'occupe de faire de la publicité, de faire des envois. Fait que ça, c'est une de nos secrétaires de centre. Et puis, fait que c'est ça. Mais en gros, on est trois. On a une conseillère pédagogique, moi qui suis CISEP, responsable de la mission, puis notre agente de persévérance scolaire. Fait que nous trois, on donne du temps là-dedans. Là, en fin d'année, c'est un peu plus tranquille. Donc là, tu sais, mettons la semaine prochaine, une avant-midi, je me suis mis de la RAC. Tu sais, c'est gelé dans mon agenda. Je vais faire des appels aux employeurs. Puis voilà, on en fait un peu. On n'a pas fait tant que ça l'an passé parce qu'il y a eu des remplacements, il y a eu moins de temps pour faire de la RAC, là. Mais c'est sûr que là, on s'engage à fond là-dedans à partir de cette année puis pour l'année prochaine. Bien, merci Stéphanie. Puis tu dis quelque chose d'important. Faites-vous une équipe. Soyez en équipe avec vos collègues, parce que tout le monde a des forces, tout le monde a aussi des fonctions différentes. Puis des fois, je pense que c'est pas une personne qui est tout seul là-dedans, puis la journée que
on est malade ou peu importe, tout d'un coup, service tombe. Je pense que d'avoir, là, c'est comme une table avec plusieurs petites pattes, hein, même s'il y a une patte qui n'est pas, qui est pas solide cette journée-là, bien, les autres sont solides. Fait que je pense aussi, si vous voulez l'instaurer comme avec une pérennité dans votre organisation, bien, je pense que d'être en équipe, comme tu dis, sans pour autant que tout le monde travaille à temps plein là-dessus, mais aussi... Non, on n'est pas... Il n'y a personne qui a ça à temps. Échanger les idées, pouvoir s'envoyer le dossier quand nous autres, il y a une période de l'année, là, que c'est fou, là, quelle belle idée. Puis l'équipe aussi, juste pour vous dire, moi, mettons, ça fait pas longtemps, je me regreffe, tu sais, j'avais comme laissé ça de côté, je me regreffe. Puis faire les appels initiaux aux employeurs, c'est quelque chose dans quoi je suis pas à l'aise du tout. Fait qu'hier, on s'est fait vraiment un speech, là, qu'est-ce que je pourrais être au téléphone puis lire ma feuille. Pour savoir quoi dire, parce que tu sais, je ne veux pas avoir l'air de vendre quelque chose. On dirait que je suis mal là-dedans, mais en même temps, je sais que c'est un super projet. Je veux l'amener de la bonne façon. Je ne veux pas l'amener de la façon intrusive. Je vais vous prendre du temps. Je veux vraiment qu'ils comprennent bien le message. Mmh. Fait que, bref, on a été les trois ensemble, puis on a vraiment travaillé un discours de première approche, là. Fait que ça, c'est une des forces de notre comité aussi. Là. Puis on s'assied ensemble au moins aux 3 semaines minimum pour faire le suivi de nos démarches. C'est vous hein, qui avez fait le beau petit vidéo l'année passée. Ah oui, Valérie a fait un super vidéo. Mais c'est comme le fils d'une de nos profs qui travaille là-dedans. Là. Fait que c'est sûr qu'on a eu un bon coup de main, mais ça, c'est vraiment le fun. On l'envoie par courriel là, aux potentiels employeurs. Là. Puis à ce moment-là, Stéphanie, pour les employeurs que tu vas appeler demain, ça a été quoi ta stratégie pour dire c'est quel employeur que j'appelle? En fait, justement, ensemble, là, on est allé au Salon de l'emploi de Trois-Rivières il y a quelques mois. On a fait le tour, moi et ma collègue. On a été parler, puis tu sais, on prenait 3 minutes de leur temps parce que c'est pas nous qui voulaient voir, là, c'était des candidats. Là. Mais on a quand même pris un petit peu de temps, laissé nos cartes, pris des notes sur quelle était la réaction face à ce qu'on avait à leur offrir. Puis après, dans notre tableau, on les a mis, puis on s'est dit qu'on allait les relancer. Sinon, ben, tu sais, c'est tel endroit, je sais qu'il y a un élève, là, on veut se mettre sur les élèves de nos centres qui travaillent à temps partiel. Mais que ça peut faire 3 ans qu'ils travaillent là, donc ils ont les compétences. Oui. Fait que oui, sinon, tu sais, on est vraiment Nicolas Bécancourt, là. Fait que, tu sais, des usines, il n'y en a pas tant que ça. On sait, tu sais, il y a un McDo dans notre région, on va aller là, métro, IGA. Fait que, tu sais, pour nous, c'est pas super compliqué de cibler, là. On se dit où est-ce que les jeunes sont, où est-ce qu'on pense que ça pourrait avoir de l'ouverture. Puis éventuellement, on s'en ira dans. Le parc industriel de Bécancourt où là, il y a beaucoup, mais tu sais, déjà, chambre de commerce, on a ciblé qui était la présidente de la chambre de commerce, on l'a approché dans son infolette, elle nous donne de la place. Fait qu'on fait beaucoup de démarchages dans ce sens-là aussi. Là. Mais c'est donc bien bon, parce que là, vous avez comme plusieurs axes de développement. Là, Richard est en train de partager là, dans le clavardage. Là, vous écouterez, là, c'est tellement bon cette vidéo-là. Il l'a partagé dans le clavardage pour ça, parce que là, il y a du monde. On l'a montré une couple de fois. Ça, là. Donc, ceux qui c'est la première fois que vous l'écouterez après. Donc, premièrement, vous avez rencontré dans une foire de l'emploi des gens en présentiel du PR, vous avez pris des notes, puis là, tu les rappelles. Parce que faire des cold calls, hein, des à froid, là, tu sais, il faut vraiment être fort là-dedans, là. Des fois, après 3 fois qu'ils te raccrochent au nez, moi, je me décourage. Fait que je pense que c'est une stratégie quand tu as déjà fait un contact, tu connais déjà un peu l'entreprise. Là, c'est un rappel de courtoisie. Ah, on s'est rencontrés dans tel, est-ce que je vous appelle au bon moment, machin? On avait parlé de, tu sais, je trouve que là, il y a des graines que tu as semées, là, tu les arroses un petit peu plus, tu les arroses un petit peu plus. C'est passé par nos élèves. Puis aussi, on s'est fait inviter par le CSM OTA, donc pour le comité de sectoriel de main-d'œuvre, transformation alimentaire, à visiter une usine de notre territoire, pas d'abattage, mais en tout cas de transformation d'aliments. Fait que là, nous, à la base, je sais qu'ils veulent recruter, mais nous, on ne veut pas perdre nos élèves, fait qu'on veut pas, on n'est pas là pour ça. Mais
on voit que la personne des ressources humaines puis du comité sectoriel, c'est des gens allumés. Fait qu'on se dit, on va aller là. On va parler premièrement des stages FMS, mais aussi et surtout de la reconnaissance d'acquis. Puis la madame était ouverte fois 1000. Là. On va la rencontrer la semaine prochaine et elle a 100 employés. Fait que, tu sais, à la base, on aurait pu dire, ah non, on ne va pas visiter ça, cette usine-là, ça ne donne rien pour nous autres. Mais aussitôt qu'on a une porte ouverte chez un employeur, on y va, puis ça, d'habitude, ça marche bien. Ça vaut la peine aussi quand vous avez une visite d'entreprise comme ça. Hein? C'est vraiment avoir l'œil pour, mettons, on est là pour le CFMS, formation initiale ou RAC, aussi avoir le troisième œil de tous les autres besoins de formation possibles, faire le lien, peut-être qu'il pourrait y avoir de la RAC pour des DEP. C'est faire le lien là, avec, là, je pense que votre RAC FP est centralisé là, avec le SAE. Là, le SAE, mais là, c'est ça, c'est une autre étape. Il faut qu'on rencontre la dame du SAE la semaine prochaine parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. On est vraiment en train de faire ça. C'est ça, le réseauter, c'est ça le réseau interne, mais le réseau externe, là, plus c'est... Écoute, ça va vraiment être voir, là. Ouais. C'est ça, vous allez vers les employeurs, mais aussi aller vers les élèves, vos élèves de centre FGA qui ont tous des jobs à temps partiel, puis de dire, c'est pas pour, on fait la RAC FMS, puis vous finissez pas votre français, c'est on pourrait faire ça de plus, puis ça de plus. Plus, on voit pourquoi. Écoute, pour la fierté, là, si vous savez comment les élèves qui reçoivent leur certification sont une fierté en lien avec et l'école et le marché du travail, il me semble que c'est des leviers positifs de volets de nos vies, que des fois, peut-être ces élèves-là, ça a été moins, en tout cas, certains volets plus difficiles. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. C'est un plaisir. Est-ce que, après Stéphanie, là, disait, il faut voir que je score fort, mais on a tous commencé à un certain moment donné. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Parce que là, Stéphanie vient de disparaître. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire où ils s'en sont rendus? Il y a Frédéric, puis après, ça sera Joanne. Frédéric Gaudier, présente-toi, dis-nous pour quel organisme scolaire, Frédéric? Pour les centres de services des portages de l'Outaouais. Donc, c'est mon premier après-cours, puis j'ai jamais fait de RAC. Donc, ça va ressembler un peu au témoignage d'Éric là, tantôt. C'est tout nouveau pour moi. Je travaille là dans le... Je suis enseignant responsable du programme ISP, qui est un programme qui est nouveau pour nous aussi. Puis je suis seul à gérer ça depuis novembre. Fait que je suis arrivé un peu à... Comme ça, là, fait que je me débrouille puis j'essaye d'en apprendre le plus possible. Là, les RAC, c'était comme ma prochaine étape. J'ai mon dossier, mes dossiers sont pas mal prêts. Tu sais, je suis comme sur le bord, là, j'ai une mentor aussi qui est déjà venue ici, là, qui est d'un autre centre de service, là, Sylvie Paul, qui me donne un bon coup de main, là. Fait que ça, c'est très aidant. Il y a un organisme, nous autres, dans la région, qui s'appelle LARO, qui est un centre d'imprimerie, puis de reliure, d'agenda scolaire, puis tout ça. Ils engagent des gens, ils ont des stagiaires aussi, des gens qui ont des diagnostics de toute forme. Puis quand je suis allé les voir, ben c'est ça, la directrice me dit « Wow, OK, pour les RAC, il y en a des métiers semi-spécialisés en imprimerie. Il y en a que je ne retiens même pas les noms, tellement je ne sais pas c'est quoi, là, mais tu en as plusieurs. » Oui, il y a plusieurs possibilités. Puis elle était super ouverte. Fait qu'elle m'a dit, OK, ben j'ai une cinquantaine d'employés là, pour qui ça s'applique. Fait que là, moi, tu sais, en toute naïveté, j'ai dit, ben oui, pas de problème, on va faire ça. Puis là, ben là, je suis revenu au bureau, puis là, je stresse un peu, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je vais essayer d'en faire peut-être un petit groupe à la fois, puis... Généralement, c'est ça quand la porte d'entrée, c'est vraiment par l'employeur. Fait qu'avec l'employeur, tu vas organiser une séance d'information. C'est sûr, hein, c'est ceux qui veulent le faire, mais tu vas quand même solliciter une séance d'information. Puis ça va être important, ta séance d'information, que tu saches les gens, eux autres, ça serait pour quel métier semi-spécialisé. Fait que des fois, c'est comme un petit recrutement avec l'employeur de dire, bien, qui est-ce? Parce que souvent, tu peux annoncer une petite séance d'information, ce sera l'employeur de décider si elle les fait sur les heures de travail ou hors des heures de travail. Si on a la situation, moi, des fois, ça m'est arrivé, là, je venais rencontrer les gens comme
le corps de travail finissait à 4 heures, puis à 4h05, je faisais la séance d'information. Là, on mettait, ou des fois, il y avait deux corps de travail, là, fait que j'essayais de faire les deux. Puis à ce moment-là, quand même, les gens qui étaient intéressés, là, ils devaient s'inscrire. L'employeur, elle avait une petite liste, elle les inscrivait, puis elle mettait c'était quoi le métier qu'ils occupaient, c'est quoi le métier semi-spécialisé, pour que quand je les rencontrais, j'avais le petit dépliant, hein, qui est le guide du candidat qui expliquait c'est quoi, mais on avait déjà les fiches descriptives qu'on leur donnait pour leur métier. Fait qu'il y a quand même un travail à faire à l'employeur pour dire, bien, chaque personne, qu'est-ce qu'ils font? Ça se peut aussi, c'est des gens qui sont polyvalents, qui ont occupé plusieurs postes dans leur carrière, bien, ils pourraient faire la démarche pour plus d'un métier semi-spécialisé. Fait que ça, c'est important. Puis, c'est, Frédéric, peut-être aussi de t'assurer, toi, que l'employeur t'a fait visiter les installations pour que tu sois quand même capable d'y nommer les métiers, puis que tu comprennes un peu c'est quoi les machines, là, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, de choses. Oui. Je me demandais aussi, tu sais, étant donné qu'il y en a un grand nombre quand même, qu'est-ce que je peux faire d'avance? Comme, parce que je ne veux pas arriver avec quelque chose de trop lourd, tu sais, côté paperasse, pour eux autres qui travaillent aussi en... Ils ont moins d'employés depuis quelques mois, puis tout ça pour gérer tout ça. Fait que je ne veux pas leur arriver avec. Mais c'est pour ça de dire on fait les 50, puis après ça, c'est de mettre dans le temps quand est-ce que les démarches vont se faire. Parce que la première étape, c'est certain que là, si l'employeur a dit oui, il va falloir quand même aussi identifier, l'employeur va identifier un spécialiste du métier qui va aussi participer à la démarche. Parce que du fait qu'il n'y a personne dans ton centre de service scolaire qui n'a aucune idée comment on fait. L'impression, le coupage, le collage, le boudinage et de tout ça, puis de la pré-presse, puis je ne sais plus quoi, bien, à ce moment-là, c'est vraiment l'employeur qui va être tes yeux puis qui va t'aider à apprécier les qualifications du personnel. Fait que la première chose avec l'employeur, c'est de dire, toi, as-tu quelqu'un que tu vas pouvoir à certains moments libérer pour m'assister dans le processus de RAC, parce que spécialiste du métier, c'est une personne nommée par l'employeur qui connaît bien les métiers, qui va être là à l'étape de l'entrevue de validation, puis après, qui va faire l'observation des compétences. Ça, c'est sûr, ça dit, bien, moi, je suis une personne qui peut faire ça, mais là, c'est là que tu vas voir que vous allez pouvoir faire combien de personnes en tant de temps, puis après, être réaliste pour dire, bien, là, on pourrait y aller avec, par fonction de travail, justement, en sous-groupe, parce qu'il faut que ça soit vivable et pour toi et pour l'employeur. Rien ne t'empêche de faire les séances d'information avec tout le monde, puis de dire, bien, on va faire les corps de travail de cette manière-là, puis de faire, comme on pourrait dire, un certain horaire. Oui, puis l'entreprise, l'organisme ne s'en va pas nulle part, tu sais, non plus. Eux autres, ils ont des employés. Oui, c'est ça. C'est mon but, c'est d'être à l'aise avec ça avant de quitter à fin juin, là, puis reprendre ça en septembre, puis. Déjà Tu peux faire tes séances d'information, puis que les gens remettent leur dossier avant de partir en vacances, puis quand tu reviens après ça, ben, tu feras tes analyses de dossier pour planifier les entrevues de validation, puis le reste des étapes après les vacances. Si je peux me permettre, j'ai une petite suggestion pour Frédéric. Quand tu fais, mettons, ta séance d'information, tout ce qui est ben, code permanent, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Ça, c'est nous autres. L'info que tu as besoin d'aller chercher, mettons, son relevé de notes, son bulletin ou quelque chose. Dès la séance d'info, tu peux demander aux candidats potentiels de te donner leur date de naissance pour aller chercher le relevé de notes. Puis, c'est quoi son métier pour pouvoir faire déjà l'instrumentation puis déjà arriver... Quand tu fais faire le cahier d'auto-évaluation, la première page est déjà remplie au moins. Après, il reste juste à cocher. C'est simple, mais je pense que c'est déjà ça. Si tu en fais 10 en même temps, bien, ça te fait épargner beaucoup de temps, là, disons, quand tu vas les rencontrer pour faire les auto-évaluations. Puis nous, quand on a eu plusieurs en même temps, on était toujours deux. Fait qu'une qui expliquait l'auto-évaluation, puis... Après ça, je pense que c'était rempli, puis je me souviens plus que ça fait 2 ans là, de tout ça. Là. Mais je sais qu'on était deux pour gérer ça. 2 tables, ça allait vraiment bien. Là. Fait que je ne sais pas si tu es capable d'avoir quelqu'un dans ton team, là, mais... Bien, il pense là, pour le mois de septembre là, d'avoir quelqu'un pour te donner un coup de main, là, peut-être à temps partiel, mais pour l'instant, ouais, je pourrais aller à la pêche un peu.
Parce que c'est certain que quand tu fais, là, c'est ça, l'étape de l'accueil, ta séance d'information, et tu vas vouloir l'avoir déjà ton auto-évaluation prête. C'est pour ça qu'avec l'employeur, il va falloir que tu saches les personnes, c'est pour quel métier, fait que ça, tu les prépares d'avance pour que quand tu arrives, ils ont déjà l'évaluation à remplir. C'est certain que c'est quand même une démarche de REC FMS, comme Stéphanie dit, c'est quand même une demande d'admission aussi. Fait que c'est sûr, ça prend tous les papiers que votre centre demande généralement pour une admission, certificat de naissance ou relevé de notes. Fait que ça, c'est toujours... en tout cas, des fois, ça va super bien, puis des fois, il y a plus de défis de ce côté-là aussi en respectant votre manière de fonctionner pour ça. Fait que souvent, ça va avoir une séance d'information. Après ça, tu vas retourner chercher les dossiers où est-ce qu'ils vont avoir rapporté toute leur pièce justificative, toi, pour faire l'ouverture officielle du dossier. Comme Stéphanie dit, bien, des fois, ils ont fait aussi un petit document qui vous autorise à aller chercher un peu de l'information parce que c'est sûr, il faut valider les heures suivies en formation générale, français, anglais, mathématiques. Fait que des fois, c'est le fun qu'on aille voir dans Charlemagne ou qu'on fasse on demande aux archives là, d'avoir les petits bulletins. Là, ça peut être des éléments que. Mais ça n'a pas été changé, ça, le français, anglais, maths, que avant, c'était des heures comme au secondaire. Puis... Et heures suivies, c'est une durée d'heures suivies. Mais il faut que ce soit au secondaire? Non. Puis maintenant, c'est ça, OK. C'est ça, là, le ministère, c'est vraiment collé au régime pédagogique de l'éducation des adultes, puis il t'écrit 200 heures de français langue d'enseignement, 150 heures de mathématiques suivies, pas réussi suivies. 100 heures de langue seconde, mettons anglais ou français, suivi. Fait que là, on s'est accolé à ça. Fait que toi, c'est des bulletins que tu vois qu'il y a eu tant d'heures cette année-là où tu fais un, je ne sais pas, n'importe quel calcul. Fait que généralement, quand c'est des Québécois, vous arrivez à trouver cette information-là. Quand c'est des personnes immigrantes, bien là, à ce moment-là, il faut utiliser d'autres tests de reconnaissance des acquis, prior learning ou des examens seulement pour aller... reconnaître ces heures suivies-là. Ce n'est pas la partie qu'on préfère du dispositif, je peux vous le dire. Mais en tout cas, n'hésite pas, Frédéric, si tu as besoin de prendre un petit rendez-vous avec moi pour qu'on regarde chacune des étapes. Tout ça, là, je vais vraiment pouvoir t'aider là, quand on est à premières étapes là, de la démarche. Et merci. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais ajouter, Frédéric? Non, mais non, pour l'instant, ça va. Je vais écouter. Un coup que tu as un milieu, tu sais, un coup que tu as un milieu pour faire ta première expérimentation, là, c'est génial. C'est génial, puis ça va être super apprenant. C'est super. Joanne Scott, tu avais levé la main. Peux-tu préciser, tu es pour quel organisme, puis comment ça fonctionne de votre côté? Bon, moi, j'arrive, j'ai travaillé jusqu'à l'automne passé à la Commission scolaire des Laurentides, en ISP. J'avais monté un projet, justement, relation avec le RAC et FMS, c'est à la dernière minute, ça ne s'est pas conclu. Alors, je me suis trouvé un autre emploi, mais dans un endroit que je voudrais travailler auparavant, c'est au Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel, qui va fêter ses 15 ans cette année, et j'étais au début, j'ai monté avec le directeur à l'époque, je retourne en fait travailler avec lui. Et on me demande maintenant, on va faire un poste d'agente pivot. Puis responsable de la formation. Alors, on fête au 15e anniversaire cette année et en tout cas, il y a plein d'événements qui s'en viennent. On fait comme une relance de toutes nos activités sur le territoire. Alors, fait qu'on va faire crémaillère, 15e anniversaire, etc. Mais moi, ma tâche principale, c'est de créer une école au sein du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, en fait, c'est de travailler avec les jeunes, pas seulement les jeunes, toutes les personnes qui vont à l'éducation des adultes, qui ne veulent plus aller à l'éducation des adultes, mais qui veulent obtenir les préalables qui leur manquent pour, par la suite, éventuellement, soit obtenir la secondaire 5, soit aller faire un DEP, soit aller faire un FMS. Alors, moi, c'est ma principale responsabilité. Là. Pourquoi le RAC FMS dans tout ça? Parce que c'est une porte d'entrée pour les Carrefour Jeunesse. Parce que c'est une voie pour les personnes qu'on rencontre tous les jours. Parce qu'on a une clientèle est diverse. Il y en a qui arrivent justement, qui travaillent, qui veulent changer de job, qui ne veulent pas nécessairement tout recommencer. Puis ils veulent, ben voilà, tout ça, etc. On a une grande, grande
c'est ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est que justement, on a beaucoup de latitude dans notre travail. On peut faire, on peut développer beaucoup, c'est ce que j'aime faire. Ça fait beaucoup de temps que j'ai en réunion, moi ici. Fait que j'ai fouillé, j'ai été voir la documentation. Puis là, j'étais en contact avec aussi d'autres commissions scolaires, comme celle du Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si vous savez, là, mais eux sont très créatifs. Ils ont vraiment des beaux outils, ils ont développé beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que moi, pour le moment, c'est d'être ici, d'avoir suivre le courant. Je suis le courant avec. C'est une des portes de REC FMS pour notre organisme. Parce qu'on, comme je disais, on vient juste ouvrir une nouvelle maison. On offre tous les services de Carrefour, mais aussi, ça veut dire orientation, développement de l'employabilité, accompagnement. Et là, maintenant, on a aussi une maison d'hébergement. Puis on a aussi l'espace maintenant pour faire la transformation alimentaire. Fait qu'on va faire de la formation sur mesure aussi dans le milieu du Carrefour. Et je suis en contact aussi avec un employeur qui couvre là, du sud du Montréal, de Montréal jusqu'à Mont-Tremblant, qui couvre tous les IGA en prêt à manger. Ça veut dire que tout ce qui est aide cuisinier, ils ont déjà des employés. Ils vont prendre des nœuds, en tout cas. En tout cas, fait que dans le fond, dans le milieu où est-ce que tu es, il y a des belles possibilités. Puis à ce moment-là, c'est des partenariats que vous allez faire avec les organismes scolaires pour justement là, pouvoir faire les parcours de reconnaissance, pour sanctionner tout. Là. Exactement. En tout cas, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui se passent. Ça va bien. Bien, je pense, Joanne, là, qu'est-ce qu'il y a aussi, c'est de se rappeler que ça vaut la peine, là, quand on est dans le centre de service scolaire, quand même, d'informer les gens du Carrefour Jeunesse Emploi, du service de REC FMS, s'ils ont une clientèle, comme tu nommes, qui sont en emploi puis qui sont en réflexion, bien, peut-être qu'on pourrait faire un projet de reconnaissance. Après, tu sais, si on secondaire 2 finit, bien, à ce moment-là, avec le CFMS, ça peut donner les préalables pour des DEP. Ah oui. Donc, réfléchir à ces parcours-là. Mais au moins, quand vous commencez à être actif, là, informer là, vos partenaires pour ça peut tout être ça, un tout ça, tout exemple ça, de ça. Collaboration. Tout ça, c'est large. J'ai l'impression d'avancer avec plein de choses qui sont là c'est maintenant. C'est beaucoup de choses en même temps. Et ça va être intéressant. Enfin, moi, ça m'allume. Là. Bien, merci beaucoup, Joanne, pour le partage. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait parler? Moi, j'aurais juste un petit quelque chose pour Joanne. Je ne sais pas si vous avez communiqué avec Saint-Hyacinthe, parce que nous, on a deux écoles alternatives, une avec le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est J.A. Johnson, là, c'est l'école Altitude. Puis à Saint-Hyacinthe, on a l'école La Marge, qui est aussi fait qu'on... On a deux écoles, comme vous nommez là, tantôt, là, que c'est les profs, ben, c'est nos profs aux adultes qui vont enseigner dans les locaux du CGE là, pour c'est une clientèle un peu à la marge, dont justement, soit un retour aux études, c'est trop lourd, tu sais, revenir dans une école, tu sais, c'est comme trop lourd, fait que là, c'est des plus adaptés, puis il y a les intervenants aussi du CGE qui sont ici, là-bas, ouais, c'est ça. Fait qu'on a deux écoles, nous, ici, à Saint-Hyacinthe. J'ai déjà contacté plusieurs Carrefour Jeunesse, justement, pour pas juste commission scolaire, pas juste des Carrefour Jeunesse, d'autres commissions scolaires, l'Outaouais et autres dans les régions, pour voir comment ils ont fait, puis c'est quoi les ententes, puis comment ça se fait, pour pouvoir monter mon projet. J'ai cherché beaucoup d'exemples. Parce que La Marge, ça doit faire un 7-8 ans, puis Actonville, c'est notre première année. OK. Ben écoutez, merci l'information. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait, il reste un petit peu de temps là, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Est-ce qu'ils ont des nouveaux projets ou est-ce qu'ils en sont rendus? Est-ce qu'ils ont des activités de démarchage? Je vais encore parler d'abord, si personne... Donc, moi, je travaille là, au centre de service scolaire des Hauts-Cantons. Là, je couvre Istingus puis Lac-Mégantic. En tout cas, s'il y en a qui commencent, qui font du démarchage, de ne pas se décourager. Ce matin, j'ai été faire mes entrevues de validation à l'hôtel, pour les femmes de chambre. La première fois que j'ai parlé avec cet employeur-là, j'ai vérifié, c'est le 25 mai 2022. Fait que des fois, c'est long avant que ça débloque, mais à un moment donné, ça débloque. Donc, c'est ça. Ce matin, j'étais faire mes entrevues de validation pour ça. Puis, j'avais quand même deux questions. Je me demandais, tu sais, dans les métiers qu'on a, là, il n'y a rien pour bar laitier.
clairement, c'est un métier semi-spécialisé. Puis là, je me disais, c'est sûr qu'il y en a. Puis restauration rapide avec les tâches, ça ne fit pas. Fait que, mais je pense pas qu'il y en ait là, qui ressemble à ça. Puis là, je me dis que ça serait quelque chose à rajouter. Puis je me demandais, on a fait de la relance de décrocheurs, puis j'en ai plusieurs qui travaillaient dans des camps de jour l'été. Mais on n'a pas rien qui peut se rapprocher de ça non plus. Je sais que dans les métiers semi-spécialisés, tout ce qui est comme en relation à la personne, d'aide à la personne ou de soins à la personne, on est. C'est moins là parce que tu as aide éducateur. Quand jour, est-ce que ça peut être aide éducateur? Non, parce que c'est vraiment préscolaire. Dans l'aide éducateur, parce que ça aussi, j'en ai un en démarchant. J'ai regardé les tâches. On a des choses proches, mais il n'y a rien qui fit. Fait que là, c'est comme deux milieux que j'avais eu un potentiel peut-être que, mais je n'ai pas de métier. Bien, à ce moment-là, c'est ça quand on voit qu'il y aurait vraiment des milieux propices. On se dit, il y en a partout à la grandeur du Québec. On peut faire une demande là, au ministère d'ajout, puis c'est eux qui vont analyser si ils disent pas nécessairement oui à chaque fois, là, mais on peut quand même faire la demande. Parce que oui, c'est vrai, bar laitier, ça peut être intéressant aussi. Fait qu'à ce moment-là, il me semble que j'avais fait un petit formulaire de demande. Mais moi aussi, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas où est-ce que j'aurais mis ça. Là. Écoute, je me prends une note, je vais te l'envoyer. Je pense que j'avais fait un ajout, puis j'avais fait un pour demande de modification de métier, parce que des fois, des tâches obligatoire qu'on trouve que les choses ont changé, c'est devenu facultatif, là. Mais envoie-moi un petit courriel parce que je suis pas à la maison. Donc, c'est ça, puis je reverrai ça. Puis si jamais je me rends compte qu'on ne l'a pas mis dans la bibliothèque des après-cours, là, on pourra le rendre disponible sur la bibliothèque des après-cours, là, ces formulaires-là. Parce que cet hiver, je voulais en faire justement pour des fois, c'est ce qu'on ne sait pas tout de quoi mettre, là, parce que c'est sûr, ça peut être un courriel de demande au ministère direct, c'est à Isabelle Bus qu'on fait la demande. Des fois, un petit formulaire, ça permet de penser à tout, là, mais c'est très flexible comme document de travail. C'est bon, je vais t'envoyer ça. Puis là, j'ai fait un contact avec le centre de tri de la région. Puis là, on a fixé une rencontre, là, mais il avait l'air quand même intéressé. Fait que, tu sais, c'est quand même gros, là, tu sais, c'est vraiment régional ici, mettons, le centre de tri, là, la récup et tout, là. Fait que, on va voir si ça peut débloquer, ça pourrait être intéressant. Fait que, Richard, tu l'as trouvé, le formulaire? Oui, il était à la bibliothèque. Puis, c'était-tu ajout d'un métier, celui-là, ou c'était oui, modification? Pour la suggérer des métiers, oui. Ah, bon, ben là, voilà, Émilie, je l'ai fait. Des fois, je me dis, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai-tu fait? Voilà, merci. Colin, on est prêt. Mais Émilie a dit quelque chose de vraiment important. C'est que, tu sais, des fois, on a le mandat, puis on veut développer, mais c'est au rythme de la capacité de l'employeur, puis les priorités de l'employeur. Donc, des fois, on rencontre un employeur, ça va super vite. Puis des fois, ben il faut faire plusieurs relances, mais faites-les les relances. Parce que l'employeur, vous n'êtes pas sa priorité numéro un. Lui, c'est produire ou offrir des services de son entreprise, mais ça finit par débouler. Fait que aussi, c'est se dire, tu n'attends pas après l'employeur, on fait d'autres choses entre-temps, puis à un moment donné, ça se met à rouler là, pour différents projets. Mais oui, c'est souvent plusieurs mois, là, si on a des gros employeurs avec beaucoup de travailleurs, là, ça peut être quand même... Il y en a que ça va vite, mais ce n'est pas toujours le cas, mais lâchez pas parce que vous allez quand même finir par le faire là, au projet. Merci. Bien, merci, Émilie, parce que je sais que vous avez travaillé très fort hein, au début pour beaucoup de coups d'épée dans l'eau. C'était décourageant, mais finalement, ça fonctionne. Ça, j'ai eu beaucoup de réponses de rappelle-moi à l'automne. Ça va finir par déboucher. Là. Mais c'est au moins là, j'ai des retours. Là, parce que oui, au début, j'en avais pas du tout. Là, mais à un moment donné, on finit par contacter la personne qu'il fallait qui nous dise un oui. Là. La bonne personne au bon moment, mais tu sais, il y a quand même une partie de chance aussi là-dedans, mais c'est sûr que plus on fait des démarches ou justement qu'on sème des graines, bien, ça finit par lever. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait aimé parler? Sinon, est-ce qu'il y avait une dernière personne qui avait des choses à partager?
Ça va. Donc, je pourrais, pour les gens intéressés, là, faire le partage au niveau des différentes ressources. Donc, j'avais mis, puis je l'ai mis aussi là, ici, dans le fond, juste pour ceux qui savent où est-ce que je suis. C'est ça. Fait que c'est juste pour rappeler, là, quand on va dans ou les après-cours, premièrement, là, où est-ce que je suis, dans la page des après-cours RAC FMS, quand on est dedans, bien, il y a les documents collaboratifs, où est-ce que les ordres du jour, mais il y a aussi la bibliothèque des ressources partagées. Fait que c'est là que, premièrement, on a mis les instrumentations qui ont été développées. Fait que c'est pas les instruments comme tels, c'est la liste des personnes qui ont développé des instrumentations parce que les gabarits d'instrumentation, ben vous pouvez en demander les gabarits d'instrumentation vides. Il y a comme 5 instruments à la direction de la sanction des études. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ont commencé, évidemment, à partir des gabarits. Ils ont développé l'instrumentation pour plusieurs métiers. Émilie Côté, elle les a toutes. Je vais juste dire ça comme ça. Fait que vous pouvez écrire un courriel aux gens qui en ont développé. Ceux qui ont développé, ils vont pouvoir vous les envoyer. Fait qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été faites à travers les années. Fait que recommencez pas la roue. Là. C'est sûr, ça se peut peut-être qu'imprimerie, là, il va falloir en développer, mais tu sais, partez d'une instrumentation connue, vous allez voir comment c'est fait. Généralement, on prend le gabarit d'instrumentation, puis après, c'est des copier-coller du répertoire des métiers semi-spécialisés, tout simplement. Ensuite de ça, bien, tout ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit dans les après-cours, on le partage toujours, comme Richard vient d'ajouter, l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Hein, c'est qui est là, on l'a mis. Donc, on met à chaque après-cours toutes les choses qu'on parle, on les partage dans la bibliothèque. Bon, par exemple, ici, le beau formulaire pour le parcours d'une personne candidate, vous voulez me faire un beau témoignage, me l'envoyer par courriel, c'est ici. Donc, c'est toutes sortes d'exemples de choses. C'est qu'il y a beaucoup de petites ressources à formulaire pour suggérer des métiers semi-spécialisés, il est là. Donc, au fur et à mesure qu'on produit des choses, on les met, on les partage dans la bibliothèque des après-cours. Aussi, où est-ce que j'ai présenté tantôt des choses. Donc, ça, c'est vraiment le guide, le site web là, du ministère de l'Éducation pour l'accompagnement et intégration socio-professionnelle. Il y a 2 éléments importants ici. Il y a la foire aux questions, qu'on a une foire aux questions RAC FMS, et on a vraiment l'onglet RAC FMS, où est-ce qu'on a mis beaucoup, beaucoup de choses. Fait que c'est nouveau pour vous. Le guide administratif, lisez-le au complet 2 fois avec un marqueur. Ensuite, ici, c'est des petites formations, là, c'est environ 20, une vingtaine de minutes chaque, qui expliquent tous les volets là, des métiers de la RAC pour les métiers semi-spécialisés. Si je continue ici, c'est les guides, là, les petits documents, on pourrait dire, de promotion ou d'information, là, guide de la personne candidate. Ici, c'est la place où est-ce que vous mettez vos informations. Donc, c'est toute l'information qu'une personne candidate a besoin pour faire sa démarche de RAC FMS. Ici, on a des différents documents de présentation à l'employeur. Ici, on a un beau guide aussi. Donc, vous vous démarchez via les employeurs. Vous avez un petit document, guide de l'employeur. On explique comment ça fonctionne, les avantages pour l'employeur, etc., etc. Par la suite, ici, tu sais, tantôt, des fois, quand vous commencez à en avoir beaucoup, là, je ne cliquerai pas sur tout, mais il y a un petit tableau avec un petit tableau de suivi là, pour les personnes candidates, puis après, pour les entreprises. Donc, c'est des... En tout cas, il y a toutes sortes d'outils, vous savez, selon vos besoins. Ici, c'est un plan d'organisation administratif. Donc, on a tout ça. Et finalement, à la fois aux questions. Bien, des fois, on se demande plein de choses. Là. Allez lire le question-réponse au moins une fois, là, si vous commencez à aller lire le question-réponse au moins une fois, parce qu'on amène plein de précisions à des questions que les gens se sont posées. Là. Donc, ça peut être quand même intéressant pour vous. Fait que ça fait le tour. Entre-temps, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je voulais voir pour l'année prochaine, pour les après-cours. Mon idée, c'était là, cette année, ça fait 2 ans qu'on en a un par mois. Là, dans les derniers mois, il y a eu de moins en moins de personnes qui venaient aux après-cours. Il y en a qui sont aussi plus aguerris, il y a des gens qui sont plus occupés aussi. On pensait l'année prochaine peut-être l'offrir aux 6 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez?
un après-cours, 6 semaines. De toute façon, c'est toujours enregistré là, pour réécoute. Puis sinon, moi, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Puis là, ben, tu sais, cette année, on les a tous mis jeudi après-midi. Puis moi, je voulais savoir, est-ce que ça serait facilitant de, tu sais, d'alterner un avant-midi d'une autre journée, parce que, mettons, quelqu'un dit, mais moi, le jeudi après-midi, je suis tout le temps en comité de quelque chose. Est-ce que ce serait plus plaisant pour vous d'avoir, on pourrait dire, une fois le matin, une fois l'après-midi, quelque chose comme ça? Ou avez-vous des préférences, parce que je le fais pour vous? Ben, moi, pour le rythme, 6 semaines, c'est correct. Je sais qu'entre-temps, c'est facile de communiquer avec toi, tu es disponible et si j'ai des questions, je vais avoir mes réponses. Parfait, parce que ça revient vite à chaque mois. Moi, c'est correct pour 6 semaines aussi. Hein? Fait que 6 semaines, fait que je pense que l'année prochaine, on va y aller. C'est ça, ça fait quand même là, 3 ans que le dispositif est débuté aussi. Là, au début, je pense que tout le monde débutait, puis on vivait ça mois à mois. Là. Bon, là, maintenant, il y a des personnes plus expérimentées. On peut aussi aller réécouter les anciens, là, quand c'est nouveau pour vous quand même, d'aller réécouter les anciens après-cours. Là, vous en allez avoir aussi des belles histoires inspirantes. Donc, voilà. Fait que c'est sûr que là, vers la fin de l'année, là, je vais faire mon calendrier pour l'année prochaine. Là, fait que je l'enverrai à tout le monde. Sinon, ben écoutez, ben moi, je remercie sincèrement Richard encore cette année, Richard Pinchot, pour tout le soutien offert à la communauté de la RAC FMS, parce que c'est vraiment... moi, je fais juste me brancher puis je parle, là. Donc, Richard, il fait vraiment tout le travail derrière la bibliothèque, c'est tout l'échange, il fait l'enregistrement, le coupage, le montage, il met ça en disponibilité pour vous, parce qu'il y en a beaucoup que c'est par réécoute, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles à la journée des après-cours. Alors, Richard, un sincère merci pour le soutien extraordinaire que tu nous offres. Là, sans toi, ben, il n'y aurait pas ça, c'est certain. Le plaisir, c'est réciproque. Si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de communauté. Donc, merci voilà. De mettre du temps, de l'énergie, partager tout ça avec les participants du Québec. Merci tout le monde. Puis, il y a quoi que ce soit, évidemment, là... vous m'envoyez un petit courriel. Alors, d'ailleurs, mon adresse courriel, on a fait la grande migration. Maintenant, c'est marise.delisle à commercial, cssbe.gouv.qc.ca. Donc, Marise avec un i. Donc, j'ai fait, je ne sais pas okay. Si vous avez le partager, là, j'ai fait la grande migration des courriels et arrivé enfin à bosser de chemin. Mais je pense que mon ancien courriel, il va marcher encore pendant un an, là, mais en tout cas, c'est ça. Fait que, écoutez, c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de vous supporter au niveau de la RAC FMS. Là, évidemment, j'ai travaillé très fort là, avec le ministère pour développer le dispositif. Puis je suis toujours impressionnée de tout ce que vous faites avec ça. Les clientèles qui sont desservies, les histoires des personnes, c'est vraiment c'est ça qui nous alimente. Là. Hein? C'est quand vous faites des personnes qu'on entend les fiertés qui disent « ça, je ne serais pas plus fière, j'ai été à l'université », je me dis « mon Dieu, à quel point hein, on fait des choses qui donnent un sentiment aux gens ». Donc, c'est vraiment un privilège pour moi là, de vous soutenir, parce qu'après, c'est vous qui le faites. Là. La vraie magie, là, c'est vous. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer des excellentes vacances d'été, puis on va se revoir quelque part en septembre pour l'après-cours 2023-2024.